Bonjour tout le monde, ici Isabelle Lefebvre, coach d'affaires, activatrice de dons, créatrice d'empire. Aujourd'hui, je reçois Maryse Piché qui va venir nous partager son expérience dans le combo où est-ce qu'elle a eu ses deux clés d'alignement. Bonjour Maryse et bienvenue. Bon matin, Isabelle. Merci. Dis-moi Maryse, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, hein, j'aimerais ça que tu aies la chance de te présenter, nous dire ce que tu fais. Oui, certainement. Donc, moi, je suis massothérapeute depuis maintenant 25 ans, mais j'ai perfectionné ma discipline avec l'Ayurveda. L'Ayurveda, c'est la science la plus ancienne au monde. En fait, c'est la science de longévité pour rester en santé puis vivre pleinement le plus longtemps possible. Donc, on travaille avec différentes médecines holistiques, donc méditation, yoga, alimentation. Et moi, ben, c'est sûr qu'en tant que thérapeute, j'offre les soins aussi ayurvédiques. Ah, super intéressant, j'aime ça, ces affaires-là. Alors, dis-moi, Maryse, qu'est-ce qui a fait au départ que tu as eu envie d'aller chercher tes deux clés d'aliments? Ben, j'ai toujours été connectée avec qui j'étais. C'est sûr que tout ce qui était holistique, médecine, tout ça, ça m'interpellait. Mais j'ai aussi mon entreprise pendant 15 ans avec une bonne équipe, je te dirais 18 massothérapeutes qui travaillaient avec Wow. moi. Puis, mon côté gestionnaire a vite pris de l'ampleur. Puis là, je me suis toujours questionnée, est-ce que je suis une thérapeute ou une gestionnaire? Ça a toujours été un peu un défi pour moi. Puis quand j'ai vendu mon entreprise il y a 5 ans, je me suis vraiment remise sur les bancs d'école pour perfectionner l'Ayurveda, mais j'étais vraiment en questionnement. Est-ce que je veux amener du bien-être? Est-ce que je veux gérer une équipe? Donc, c'était tout mêlé dans ma tête, puis je cherchais une coach comme toi qui pouvait m'aligner sur c'est quoi moi ma mission de vie, dans quoi je suis meilleure, dans quoi je peux faire avancer plus mon entreprise. OK. Super. Puis qu'est-ce que tu as aimé justement dans ce qu'on a fait ensemble? Bien, justement, Isabelle, je pense que c'est ton écoute attentive, puis toute ton expérience à toi, parce que je pense que tu es une femme aussi très autonome en développement personnel, mais aussi dans les affaires. Donc, jumeler les affaires avec la spiritualité, avec l'alignement de qui on est, avec ton parcours à toi, ça me dit, ben, je pense que ça ressemble un petit peu à mon parcours, puis c'est quelqu'un qui va pouvoir m'aider justement, puis tu es attentive, mais tu as aussi des clés pour nous aider à avancer là-dedans. Puis comment justement que tu utilises ces clés-là maintenant? Ben écoute, c'est sûr qu'avec le travail que tu m'as fait faire, je suis de plus en plus confiante que je suis alignée vers les bonnes choses. Puis c'est ce manque de confiance-là qui m'empêchait d'être motivée constamment, de me dire, de me poser la question, est-ce que je suis à bonne place? Est-ce que je fais les bonnes choses? Fait que là, de venir confirmer, c'est quoi moi mes archétypes? C'est quoi la blessure d'enfance? C'est comment je peux jouer avec ça puis être assurée que je fais les bonnes choses? Fait que ça m'a remis en confiance puis d'être à l'écoute de qui j'étais vraiment. Wow, super ça! Je suis contente, très contente! Moi aussi, je me sens vraiment motivée que ça faisait comme 4 ans que je tournais en rond puis là, je sens que les choses avancent puis ça m'a vraiment aidé tout l'appui que tu m'as donné là-dedans. Wow! Fait que t'es vraiment sur la bonne voie. Mais moi, j'ai les frissons, là! Moi aussi, c'est bon, c'est super! Dis-moi, Maryse, qu'est-ce que tu dirais à celle qui hésite actuellement de passer à l'action? Je dirais de ne pas attendre. Moi, j'ai attendu 4 ans, puis c'est sûr qu'on a beaucoup de choses à apprendre dans la vie par nous-mêmes, mais quand on trouve une bonne coach, je pense que d'investir en soi, c'est d'investir aussi dans notre entreprise, hein, parce que les deux vont souvent ensemble. Ouais. Donc, de ne pas attendre, puis de ne pas avoir peur. Puis quand vous sentez que c'est la bonne personne, bien, d'aller de l'avant parce que ça va vraiment reconnecter puis ça va amener la motivation en tout cas de continuer vers la bonne voie. Effectivement. Hey, merci Maryse. Merci. Merci à toi. Dis-moi, celles qui sont prêtes à prendre tes services, de quelle façon est-ce qu'on peut communiquer avec toi? La meilleure façon, c'est par Facebook, donc sous mon académie, parce que j'ai créé aussi l'académie pour les gens qui veulent en apprendre plus sur l'Ayurveda. Donc, c'est Académie Santé Ayurveda. Puis sur ma page, bien, je partage tous mes événements, mes ateliers, les promotions, la formation en ligne qui s'en vient aussi. Donc, ça serait la meilleure façon de pouvoir communiquer présentement. Super! Alors, merci Maryse de ton temps aujourd'hui. Ça fait plaisir, puis merci à toi. Merci. Et pour celles qui sont prêtes justement à aller chercher leurs deux clés d'alignement, vous allez trouver le lien juste en haut de la vidéo. Je vous mets ça pour que vous puissiez communiquer avec moi et qu'on puisse commencer à travailler ensemble pour que vous puissiez devenir vous aussi une entrepreneur 100% aligné, 100% assumé.
Alors, sur ce, eh bien, on vous souhaite bonne journée, tout le monde. Bye! Bye!